La célèbre recette du gâteau au chocolat sans sucre, sans beurre, sans œufs. À l'ère actuelle où les gens sont de plus en plus soucieux de leur santé, beaucoup de personnes s'ingénient à revisiter les recettes et à les rectifier pour répondre aux exigences santé et alimentaires actuelles. Parmi ces recettes, celle d'un délicieux gâteau au chocolat végan à base d'avocat, mais sans sucre ni beurre. Découvrez la liste d'ingrédients qu'il vous faut. Comme mentionné plus haut, les exigences alimentaires et santé de la population mondiale ont considérablement changé et augmenté pendant ces dernières années. C'est pourquoi, nous avons assisté à l'émergence de différents modes d'alimentation, tels que le régime végétarien, végétalien et végan, et qui peuvent parfois prêter à confusion. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici quelques petites précisions qui vous permettront de faire la différence entre eux. Une personne végétarienne ne consomme pas de produits issus de l'abattage des animaux mais tolère les sous-produits animaliers, tels que le lait, les sucres, le miel, etc. Une personne végétalienne par contre, n'intègre aucun produit animalier dans son régime alimentaire, qu'il soit issu ou pas de l'abattage des animaux. Quant aux personnes véganes, en plus d'être végétaliennes, elles n'utilisent aucun produit d'origine animale ou testé sur les animaux, que ce soit un détergent, un produit cosmétique, un vêtement ou autre. En gros, c'est tout un mode de vie à adopter. Pour ne pas priver ces dernières. Et toute personne faisant attention à sa ligne, des petits plaisirs de la vie, tels que celui de déguster un bon gâteau au chocolat, voici une délicieuse recette à base d'avocat, et surtout sans sucre ni beurre. Une recette de cake au chocolat à base d'avocat. Ingrédients. Cake. g de farine T55. 100 g de fécule de maïs. 40 g de poudre de cacao noir. 30 g de bicarbonate de soude. 10 g de levure chimique. 2 à 3 g de sel. 1/4 de tasse d'huile d'olive. 1 avocat mûr, à écraser jusqu'à obtenir une texture bien lisse. 2 tasses d'eau. 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. 2 cuillères à café d'extrait de vanille. g de stevia. Glaçage.
deux avocats mûrs, à écraser jusqu'à ce qu'à obtenir une texture bien lisse. Pingé de stevia. Quarante g de poudre de cacao noir. Préparation. Tout d'abord, commencez par huiler deux moules à cake rond, diamètre de 22 cm environ, et faites préchauffer votre four à 180 degrés C. Ensuite, dans un large récipient, mélangez la farine de riz, la fécule de maïs, la levure, le bicarbonate et le sel, et dans un autre, mixez soigneusement l'huile d'olive, la pulpe d'avocat écrasée, l'eau, le vinaigre et la vanille, puis une fois bien incorporé, ajoutez la stevia et mélangez encore. Ajoutez le second mélange au premier, puis mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une texture parfaitement lisse. Ensuite, divisez la pâte, de manière égale, sur les deux moules, puis enfournez-les. Après 30 minutes de cuisson, vérifiez que les cakes sont prêts. Sortez-les du four et laissez-les refroidir dans leur moule, pendant 15 minutes, puis démoulez-les et laissez-les refroidir complètement. Entre-temps, préparez votre glaçage en mélangeant les avocats écrasés, la stevia et le cacao, jusqu'à avoir une texture lisse et crémeuse. Une fois vos cakes bien froids, étalez la moitié de votre glaçage sur le premier cake, puis placez le second dessus et étalez le reste de votre crème au chocolat par-dessus. Votre délicieux cake au chocolat vegan est prêt. Bon appétit! Quelques bienfaits de l'avocat. Grâce à sa richesse en acides gras insaturés, en vitamines C, E, K, provitamine A et plusieurs vitamines du complexe B, en minéraux, fer, magnésium, sodium, potassium, zinc et en fibres, ce fruit est une véritable source de bienfaits pour la santé. En effet, il aide à préserver la santé cardiovasculaire en luttant contre le mauvais cholestérol, à réduire les risques de dégénérescence maculaire liée à l'âge grâce à sa richesse en lutéines, à maintenir un poids santé en favorisant la sensation de satiété et en traitant la constipation, mais aussi à embellir la peau et les cheveux en les nourrissant et les hydratant en profondeur.